quittez pas la vidéo. On va passer la partie explication. Alors attendez, on va passer à la partie explication. Je rentre le disque. Hop là, voilà. Donc, voilà. Je vais rentrer le disque. Et on va entamer les prochains sujets. Donc, voilà. Vous vous dites pourquoi j'ai pris un 33 tours. Parce que vous avez vu, j'ai le tourne-disque sur ma chaîne IFI que vous avez pu voir. Et je vais vous dire pourquoi j'ai pris un 33 tours. Un 33 tours, pardon. En fait, tout a commencé quand j'étais chez ma grand-mère. Là, on peut voir qu'il y a un peu d'usure. Que j'étais chez ma grand-mère et que je m'ennuyais, en fait, parce que... Si vous voulez, là-bas, il y a un temps là-bas qui est pourri. Et il n'y a limite rien au kilomètre à la ronde à faire. Donc, ce qu'il y avait en fait, c'est que un jour, je suis allé dans une des plus grosses villes qui était à côté du village de ma grand-mère. Et on devait aller en direction de Leclerc pour prendre... des courses, tout ça. Et si vous voulez, j'étais dans la voiture et on était au centre-ville avec mes parents. Et on roulait et j'avais pas ma ceinture d'attaché. Du coup, quand j'ai voulu mettre ma ceinture, j'ai vu une enseigne où il y avait marqué discophile. Je me suis dit, ah, lui il doit vendre des disques, ça doit être sympa. Mais est-ce qu'il vend des choses qui sont inhabituelles? Et donc voilà. On est allé faire les courses, tout ça. J'ai pris les horaires du type. Et malheureusement, il n'était pas là l'après-midi. Et quand on est parti, il était déjà midi. Et il avait déjà fermé. Donc on est revenu le lendemain. Et j'ai dit à ma mère, faudrait qu'on fasse un tour. Donc, on est allé, tout ça. D'un seul coup, on sonne. Purée, le gars, il avait plein d'affiches d'artistes connus, genre David Bowie, tout ça. Johnny Hallyday. Il y avait beaucoup de Johnny Hallyday en plus. Et il avait de tout en fait. Il avait de tout en fait. Sauf des trucs de notre époque peut-être. Mais c'était du vintage et donc des choses qui sont qui ont une certaine valeur au fur et à mesure du temps. Et donc moi en fait